Coucou tout le monde, alors désolé pour tout à l'heure, je ne voulais pas me mettre en live, voilà, je voulais faire la vidéo de présentation de la chaîne, voilà, bon, bref, parce qu'il y en a qui comprennent pas que j'envoie la marchandise une fois que c'est payé, mais comme je me suis fait trop rouler, hein, maintenant, voilà, je fais gaffe, je commence à être moins gentille, et oui, il faut. Alors, vous m'avez demandé de regarder si on allait être confiné, bon. Ça fait un moment que je vous en parle. Alors, on va regarder ça. Voilà. Alors, je vous baisse sur les cartes. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, est-ce qu'on va être confiné en France? D'accord? Est-ce qu'en France, on va être confiné? Alors, on va peut-être poser la question autrement. Est-ce que les non-picousés vont être vaccinés? D'accord? Alors, s'il vous plaît, est-ce que les. Bon, vacciné, ouais, confiné. Alors, bah oui, hein, je pense, parce qu'on a 10 de P, donc 10 d'épée, donc douleur, malchance. Voilà. Et on a l'écroulement, hein, le châtiment. Mais bon, c'est pour aller à la victoire avec le 9 de coupe, d'accord? Et on a le démon, faiblesse, douleur, indifférence, abandon, énergie négative. Bon. Vous voyez qu'on a vraiment affaire à quelqu'un de malsain, hein. Il va aller jusqu'au bout de toute façon. Son but à lui, c'est de tout écrouler. Et puis, ben, voilà. Voilà, vous voyez, on a le 5 de denier, hein. Donc, c'est le désordre, les désaccords, d'accord? Donc, on ne va pas se laisser faire. D'ailleurs, moi, je ne vais pas me laisser faire. Je dois encore aller manifester. Donc, qui ne croit pas qu'il va me confiner, hein. Parce que je ne vais pas me taire. Et pour... les trolls qui disent ouais, regardez-moi ça, celle-là, elle a même des histoires avec ses gosses. Bah, sachez que c'est pas parce que c'est mes gosses qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi. D'accord? Voilà. Et encore moins quand ça concerne mes petits. Ok? Si vous, vous n'avez pas de cœur, bah, moi je suis désolée, mais moi j'en ai un. Voilà. Donc, comme ça, c'est affaire classée. Alors, est-ce que les non-picousés vont être confinés? Je pense bien que malheureusement, j'ai déjà la réponse, c'est que, ben voilà, hein, voilà. Alors, ici, on a le 6 d'épée. Donc, déclaration, découverte, notoriété. Donc, ils vont faire une allocution pour nous prévenir, c'est sûr et certain. En face, donc, en contre. On a le 7 de coupe, rêve, imagination, réflexion. Donc vous voyez, ils sont vraiment en train d'y réfléchir, mais c'est dans leur rêve. OK? Ici, on a le roi de denier, donc l'avarice, l'imperfection, la corruption. Voilà. Ici, on a le 2 de bâton, donc contrariété, mystère, séparation, regret. Voilà. Vous avez vu, ils ont changé le drapeau. Et ça veut dire que c'est l'armée qui est là, d'accord? Voilà, qui a pris les rênes. Et en conclusion, on a le 2 de denier, donc les écrits, les messages, les documents. D'accord? Donc, ben voilà, hein, c'est sûr, hein, ils vont nous faire un nouveau décret, hein, voilà, pour, bah ouais, je ne vois que ça, hein, je ne vois que ça, de toute façon, c'était prévu, hein, je vous en avais parlé déjà, donc voilà. Alors, est-ce que les noms confinés, les noms vont être reconfinés? Sur le 6 d'épée, on a la lumière, donc la colère, hein, les dissensions, d'accord, voilà. Après, il faut faire la lumière sur tout charabia. Donc, il faut bien qu'ils se mettent dans leur tort. D'accord? Sur le 7 de coupe, on a le 6 de denier. Donc, l'ambition, l'égoïsme, la désillusion et la défaite. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Mais là, ben, ça va provoquer le chaos. Hein, de toute façon, et il est vraiment temps que ce soit terminé. Hein, ok? On est d'accord avec ça, je pense. Hein. Sur le roi de denier, on a... le 8 de denier, donc cupidité, usure, adulation, excès. Vous voyez, ils vont vraiment aller jusqu'au bout du bout, hein. C'est comme ça avec eux, de toute façon, quand on est dans la connerie, on va jusqu'au bout, hein. C'est comme ça.
Alors ici sur le 2 de bâton, les contrariétés, hein, le mystère, eh bien on a les oiseaux et les poissons, donc on est protégé, d'accord? On va recevoir une aide, ne vous inquiétez pas, regardez, il y a l'assistance, l'aide reçue, la protection, d'accord? Donc ça, moi je vous dis que c'est l'armée, hein, d'accord? Alors enfin, ça sera su au grand jour, hein, au moins comme ça, voilà. Et en conclusion, on a le 2 de denier, donc c'est les messages, les documents, et le 5 de denier, qui est bah, l'amour, l'amitié. Donc il y aura, ici, il est possible qu'il y en a un qui soit viré, hein. Mais de toute façon, vous le savez, ça ne peut plus durer comme ça, d'accord? Et bah, pour moi, le 2 de denier et le 5 de denier, eh bien, c'est quelqu'un qui va... qui va remplacer, d'accord, qui fera de nouveaux écrits, de nouveaux documents, de nouvelles lois, hein, mais avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus sensé, on va dire, hein, parce que là, il n'y a rien de... Enfin, voilà, ça tient pas debout, hein, faut être logique un petit peu, faut... Vous voyez pas, ça a ni queue ni tête, quoi. Et l'autre, il nous dit, bah oui, mais même pour les maladies d'hiver, faut la muselière... Un espèce de tête de... Hein, tête de nœud. C'est marqué dessus, ça protège pas. N'importe quoi. Bon, enfin, bref. Et puis, leur picouse, on sait aussi. Hein. Alors, 5 d'air, vous voyez, un choix peu judicieux, d'accord? Tâchez de tirer les leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Donc, vous comprenez bien le leur, hein, de motif, d'accord? Et l'as de feu. Une occasion nouvelle et en enthousiasmant ce profil à l'horizon. D'accord? Transformez votre vie dès maintenant. Voilà. Donc, c'est pour aller vers le changement. Et pour le changement positif. Vous voyez, ici, on a la force. Une grande force intérieure. D'accord? Restez fort, surtout. Restez bien ancré. Hein? Ça, c'est primordial. Hein? Si vous voulez vous en sortir, picousé ou non picousé, restez positif. Alors, on va tirer quelques cartes du tarot des anges pour voir, hein, s'ils nous disent la même chose. Alors, ici, on a le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants. Alors, moi, je vais vous dire, hein, voilà, j'ai eu un message de mes guides, donc on fera le tirage après pour voir, hein. Mais moi, ils me disent que les écoles, hein, vont refermer, d'accord? 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser, de guérir vos plaies. Hein. Voilà, vous voyez. 8 de feu, les événements se précipitent. Les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Vous voyez, lisez bien ce qui est marqué là, en bas, d'accord? Ça s'accélère, les amis, je vous l'avais dit. Après, depuis que je vous le dis, vous allez me dire, bah, il est temps, je sais. Voilà, regardez, ici, la page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption, d'accord? Donc, ça peut être un groupe de personnes aussi, hein? Capacité psychique accrue, ok? Et en conclusion, on a l'as d'air. Voilà, des documents ou des contrats importants par rapport à une nouvelle personne qui arrive. Donc, moi, je vous dis, pour moi, c'est l'armée. Hein. Ici, sur le 6 d'eau, on a le magicien. Donc, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de dire non. Non, c'est non. Voilà. Sur le 3 d'air, une grande tristesse, on a l'as de feu. Donc, quelque chose de triste, d'accord, qui arrive pour aller vers quelque chose de beau. Transformez vos vies dès maintenant, d'accord. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Sur le 8 de feu, nous avons le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader, d'accord? Donc, quelqu'un qui est maître de sa personne. Ok? Ça, c'est important, hein, c'est important. Il faut camper sur vos décisions, d'accord? Et même les picousés, hein, maintenant, vous avez vu, voilà, il y a eu un rapport
2% de coco en 2020, de où on vous oblige à vous faire picouser. C'est du n'importe quoi. Hein. Je vous l'ai dit, on est dans un film. Oh, excusez-moi. Alors, désolé, je reprends ma vidéo, mais ce coup de fil était très, très important. Hein. Très, très important. On va peut-être être enfin entendu. Voilà. Alors, eh bien, on disait qu'il y avait une nouvelle personne qui allait faire un, qui allait apparaître, hein, voilà. Et on devait recouvrir ici, vous nagez dans l'abondance. Alors, dessus, on a le roi d'air, hein, donc livrez le fond de votre pensée avec confiance, d'accord? Il faut trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, d'accord? Donc, vous avez bien compris, ce qui va arriver, voilà, hein, c'est que, ben, on ne peut pas l'empêcher et que, ben, ce qui devait arriver arrive. Donc, on va, il faut faire des provisions, là, hein, entre, d'accord? Voilà, parce que si on est recoincé, ben, il va falloir faire quelque chose, hein? Alors, on va essayer de voir avec mon pocheux. Alors, est-ce que les noms vont être reconfinés, s'il vous plaît? Donc, on nous parle bien de trafic, hein, on nous parle bien d'addiction, voilà. Et pour moi, il y aurait bien l'Asie, hein, qui va faire tomber les masques, d'accord? Donc, pour moi, bah oui, il va encore y avoir un trafic, on perd le contrôle de notre vie, voilà. Mais eux, pour eux, c'est une addiction, hein, de nous piéger, de nous mettre dans la merde, d'accord? Mais on a tombé les masques par l'Asie. Donc, alors, s'il vous plaît, est-ce que les noms en France vont être reconfinés? Surtout, il faut rester unis, d'accord? Voilà. On vous dit, dans l'amour, ayez confiance à l'univers, d'accord? Tout ça, c'est pour qu'on puisse faire la lumière, ok? Donc, ben pour moi, c'est oui, hein, on va être, voilà. Alors, ben moi, il va aller se faire papaouter parce qu'avec le téléphone que je viens d'avoir, je vais vous dire que je ne vais même pas me laisser faire, voilà. On va voir ce que les anges divinatoires ont à nous dire. Donc, Archange Uriel, s'il vous plaît. Maternage, vous voyez, moi je vous dis, les écoles vont être fermées. Mais ça, on va le faire après, le tirage, d'accord? Eh bien, pendant ce temps-là, voilà, on va materner un petit peu nos enfants. C'est bien, ils en ont besoin, hein? Alors, ensuite, l'archange Raphaël. Amitié, vous voyez, il faut rester soudé. Il faut qu'on s'entraide, hein, d'accord? La confiance en soi, il nous dit, l'archange Gabriel. Et pour l'archange Michaël, s'il vous plaît. Pour l'archange Michaël, s'il vous plaît. Sagesse. D'accord? Donc, bien réfléchir, méditer, ok? Alors, l'archange Uriel, maternage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Charité. Ben voilà, on va tricoter, vous voyez? On va tricoter des longueurs. Des longueurs de protection, la joie sur l'amitié, il faut vraiment qu'on reste joyeux et soudé. Alors, s'il vous plaît, confiance en soi, ascension, vous voyez, on va, ça va aller mieux, ok, et ici, on a l'unité, alors oui, hein, sagesse et unité, ben oui, on va être confiné, hein, parce que, ben, écoutez, on va encore être seul, mais c'est pour nous faire réfléchir, ok. Par contre, ça ne va pas être accepté, ça c'est sûr et certain. Il faut qu'on reste soudé, d'accord, qu'on ait confiance en nous, qu'on reprenne notre pouvoir, voilà, pour pouvoir passer à quelque chose de meilleur. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Bon, écoutez, si je peux, après, on va faire un petit live. Je viens de recevoir un coup de téléphone qui me rend très joyeuse. Enfin, ça bouge.
Est-ce que... Ah, on va peut-être prendre ce petit jeu d'armée, d'accord? Parce que de toute façon, on l'avait vu, hein, qu'il était au pouvoir, mais que c'était caché. D'accord? Donc, on va demander. Est-ce que... Alors, ils sont en train de s'occuper de cette équipe satanique. Voilà. Alors, est-ce que l'armée est au pouvoir? Libération, regardez. Voilà, ils sont en train de s'occuper d'eux et regardez, ils viennent à notre libération. OK? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle fait l'armée actuellement? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle fait l'armée actuellement? Il y en a beaucoup. Terrestre, donc ils sont bien sur Terre là, hein, voilà. Mission banale. Voilà. Et vous voyez, il y a le sacrifice et l'arnaque médicale. Alors, s'il vous plaît, que fait l'armée actuellement? La santé. Voilà, donc ils sont là pour nous protéger, pour nous libérer de cette arnaque médicale, d'accord? On a la police, arrestation, prison. Donc, pour l'instant, ils sont en train d'aider la police pour arrêter et emprisonner toute cette équipe satanique. Et moi, je dirais depuis le printemps. Et ça, vous voyez, je vous le dis depuis ce temps-là. Mais le printemps, c'est aussi qu'il y a quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, ils nous viennent en aide. Alors, je vous montre, hein, je vous montre parce que, voilà. En plus, j'ai même oublié de baisser l'écran. Alors, s'il vous plaît. Voilà, ce sont nos sauveurs. Vous voyez, il n'y a que sur eux qu'on pourra compter. Hein. S'il vous plaît. Réussite et victoire, vous voyez. Ils vont vraiment réussir. Hein. Alors, s'il vous plaît. L'armée en France. Ils sont là aussi pour les enfants. En tout cas, ils vont avoir la victoire, vous voyez, sur les enfants. Moi, je vous dis que les écoles vont fermer, vous allez voir. C'est des gens corrects, l'armée, d'accord? Il y a le chagrin. Donc, bah ouais, on va être confinés, on ne va pas comprendre, hein, voilà. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle fait, l'armée, actuellement? Est-ce qu'elle est au pouvoir? Bah voilà, regardez. Voilà. Vous voyez, ils ont repris le pouvoir. Voilà, bah écoutez, hein, ça avance, les choses se précipitent, hein, vous l'avez vu sur les cartes, voilà. Eh bien, écoutez, on va faire un tirage après pour voir si les écoles vont refermer. À tout à l'heure.